Voies obstruées, trottoirs et artères pris en otage par des commerçants et vendeurs ambulants, difficile de circuler sur le boulevard Nangui à Brogoua dans la commune d'Adjamé. Les occupants semblent s'accommoder de ce spectacle. On n'a pas place, on n'a pas marché. Quand ils vont faire le marché là, nous autres là, on n'a pas l'argent. Toi tu dois sortir, tu dois laisser l'argent à la maison à l'enfant. On dit de venir payer place de 300 000, 250 000. Si c'est la place de 10 000, 15 000, 5 000 là, on est d'accord. Mais le père de 50 000, non, on n'a pas l'argent. Le maire d'Adjamé dénonce la mauvaise foi des commerçants. On leur donne des places gratuitement, 4 000. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous faire visiter et vous allez demander ceux qui sont là-dedans combien ils ont payé. Alors quand c'est comme ça, c'est un peu décourageant. Autre commune, même constat. À Yopougon, le maire dit être conscient de ce phénomène et entend prendre des mesures pour pallier cette situation. Nous avons fait une circulaire. Demandons donc aux commerçants de libérer les trottoirs. Et ça, donc, cette circulaire est diffusée en attendant de passer à la phase répressive. Pour l'heure, commerçants et artisans vaquent librement à leurs activités et en toute impunité.